Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu du cerf. Tu vas me dire, ça sert à quoi? Bah, en gros, le jeu est sorti. Avant, le jeu était en accès anticipé. La vérité, mais moi, j'étais pas forcément au courant. Je pensais que le jeu. Enfin, non, en vrai, c'est vrai. Il était pas fini. C'est vrai. En gros, à la fin du jeu, je me rappelle, il y avait un mec avec un panneau jaune comme ça. Il dit, Roya, c'est bon, c'est fini. Tu peux faire demi-tour. Voilà, t'as exploré tout le jeu, tu vois. Et là, le jeu est sorti. Et il y a un DLC en plus. Donc, on va pouvoir revisiter tout ça. J'aime énormément ce jeu parce qu'il est bizarre et. Les jeux bizarres, j'aime ça. Alors comme vous pouvez voir, il y a un truc qui vient d'apparaître ici. C'est un navire. Je peux conduire ça en fait. Oh la dinguerie. Oh la dingue de chez dingue. Et c'est écrit DLC dessus. Donc on va pouvoir un peu se balader, un peu faire n'importe quoi. Et en fait, j'ai pu remarquer quelque chose, ça c'est vrai. Parce que j'ai lancé le jeu, bon, comme tout créateur de contenu qui se respecte, faut bien check si les choses marchent bien. Et effectivement, ça marche bien, on peut être un tigre les frères. On est le tigre de Frosties. Non, je déconne, on est juste un tigre tout court. Ok, et si je me mets là, là je vais reprendre l'apparence d'un cerf, c'est ça? Non, même pas. Je sais même pas ce que je viens de déclencher en fait. Ah, ça fait que ça part plus vite en fait, c'est ça? Donc là en fait, ces trucs là, ça reste mystérieux jusqu'à ce qu'on aille jusqu'au bout du jeu des fois. Ouais, c'est ça, disponible après avoir visionné la vraie fin. Ça, par contre, on peut s'équiper. C'est un sushi explosif. Comment on fait pour faire détonner? Attends, faire détonner, c'est quoi? Oh merde, je suis redevenu un cerf! Alors détonner, c'est ça? Oh, c'est beau. J'aime bien l'animation. C'est pas mal, mais on s'attendait un peu mieux. Des sushis explosifs, ma foi. Et c'est pas tout, les reilles. Donc là, j'ai cru voir un gun. Et en fait, ce gun, ça active le mode grosse tête. Voilà, on le met là. Normalement, dès qu'on tire sur quelqu'un, on va leur donner des grosses têtes. Voilà, s'il y a un humain, si on fait ça, on va pas le buter. Il va avoir la grosse tête. Mais est-ce qu'ils vont avoir la... Mais ça continue jusqu'à quand, tout ça? Mais c'est énorme. Ça fait extrêmement peur. On va faire détonner tout ça. Là, il est mort. Enfin, quoi que je sais pas. Les gens, ils meurent pas dans ce jeu, en fait. Ils sont juste gênés, dérangés, d'accord. Mais après, malheureusement, on peut pas faire ça. Ah, voilà. Moi, je t'avoue, je préfère être un cerf juste pour ça. Ça, c'est incroyable. Moi, je veux une ville entière de New York où on peut se balader de la sorte. Franchement, je m'amuserai pendant des demi-heures, quand même. Pas des heures, mais des demi-heures, tu vois. Franchement, c'est pas mal. Et le Ray, si je lui tire dessus, est-ce qu'il devient gros? Ah, je crois pas. Il devient juste méchant de ouf. D'accord. On est déjà mort. Si vous avez vu ma dernière vidéo, les reilles, vous avez pu voir qu'effectivement, j'ai sorti les grands moyens. Voilà, les reilles. Il est où ce koala que je lui parle mal? Merci, le ref. Voilà, t'es déjà mort. T'es déjà mort. Ah, j'ai oublié les flics. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux maintenant de flicailles? Non, c'est toujours pareil. C'est les moutons. Les gentils moutons. Comment ils sont graves, mimi. Ils sont méga mimi. Bon, vous avez tous die, les reilles. You are all dead, man. Ouh, ha. Ah, on va tous se les faire. Oh, ils sont mignons. Regarde, en fait, il accélère avec sa caisse. Il est trop mimi. Waouh, en plus, avec ce joli coucher. Le coucher, il a fait comme ça. Il a disparu direct, il a laissé place à la nuit. Ok, ça va être qui? Ah, ça va être le chien, non? Voilà, c'est le chien, effectivement. Ok, du coup, le lance-koala. Mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand on tire, ça fait quoi? Il tire du laser de ouf. Il tire du laser de ouf en fait. On devient poteau. Mais on déglingue tout le monde. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Un petit koala miniature portable en fait. Regarde, je déglingue le petit koala. Enfin, le grand koala avec le petit koala. Tronçonneuse qui provoque des tornades quand elle est équipée. Ok. Vas-y. Mais il fait quoi là lui le... Je rêve, il y a un manchot qui est... Vient d'où le manchot? Dites-moi, elle est où votre maison? Je vais la détruire, pas du tout. What? C'est ça la tornade en fait! Mais quel est ce bail? C'est un multivers d'animaux, des requins et des manchots. Voilà, voilà. Attends, et si je l'enlève d'un coup? Si je l'enlève d'un coup, ça fait quoi? Elle disparaît. Je dirais littéralement un portail le bail. Ok, vas-y, regarde, là je l'ai remis direct. Mais est-ce que la tornade, je peux la battre? Can I beat the tornado? Oh, regarde, il y a une grande tête de truc. Je rentre dedans direct. Bouffe-moi, Roya, bouffe-moi! Emmène-moi quelque part! Ou bien je te tire. J'ai vraiment vaincu la tornade des Rays. Je pensais pas que c'était possible. Bah écoutez, on va aller dans le futur et on va voir ce qui va se passer. Let's go, man. Parce que il y aurait une fin, du coup. Il y aurait enfin une fin, je crois. Parce qu'il disait, si tu vois la vraie fin, tu vas obtenir des trucs. Donc apparemment, ils ont tout à fait sur ça, voilà. Ah, le frérot DLC, il est là. Et par contre, j'avais pas vu ça. C'est quoi ça? Ours polaire? Oh, je suis un ours polaire, les Rays. Oh, je suis un flic polaire. Incroyable. Oh, je kiffe. Oh, j'ai un style de ouf. C'est-à-dire là, dès que je fais shift, je deviens une caisse. Incroyable. Attends, je vais essayer du coup de convertir plein de gens, les reilles. Servidifié. Allez, tu es avec moi. Toi aussi, t'es avec moi. Arrête de travailler le reille, je te libère. Toi aussi,
toi aussi. J'essaie de leur donner la grosse tête, mais là c'est compliqué, j'ai l'impression. Attends, je vais tous les desservidifier ou je sais pas quoi. Ne cours pas, le Khay, ne cours pas. Ah, ça marche sur toi maintenant. Je vais te servidifier, ouais, maintenant que j'ai fait grossir ta tête. Ah, merde, je peux pas le servidifier lui. Attends. Ah bah si, regarde, il est avec moi. C'est la plus grosse tête du groupe. On peut dire que c'est le cerveau de la team. C'est quoi ça, hein? Nombre de policiers, attention. Ah, je peux changer le chiffre ici? Ah ouais, je peux en mettre 10 à chaque fois max. Pas rajouter plus, malheureusement. Ok, c'est très bien. Waouh, la tête qu'il a de ouf, lui. Je crois que c'est la plus grosse tête qu'on a dans la team. Oh, wow, il fait peur, par contre, hein. Oh là là, moi j'ai fait vraiment dans l'ordre décroissant, tu vois. Lui c'est petit, moyen, lui c'est grand de ouf, sa mère. Qu'est-ce que j'ai créé là? Oh là, donc là, ils sont en train de danser. Regarde la taille. T'es mal à taille du crâne. Je suis dans sa beubare, le Khay, ou dans son menton, ou je sais pas. T'es ma. This is a work of art. Ça, c'est ma chorégraphie, le Khay. J'en suis fier. Nom de Dieu, ça fait peur. Je vais pas te mentir, ça fait un peu peur. On va essayer d'invoquer les flics ici parce que j'ai augmenté le nombre de flics. Je pensais pas que c'était possible. Ils ont changé la musique un peu, non? C'est quoi ça? N'importe quoi. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il y aura plus de flics ou pas? Donc là, effectivement. Je viens à peine de comprendre le rapprochement par rapport à ma dernière vidéo. Je vous jure, des fois, il faut plusieurs vidéos pour que je comprenne un truc. C'est qu'en gros, on est tellement dans Turfu que les flics, ils sont morts. Et qu'en gros, même le Comico est détruit, tout ça. Donc là, ils sont déterrés. Ah ouais, vous sur pas. J'ai zappé. Oh là, je les zappé, lui. Donc on va avoir plusieurs. Oh ouais, il y a pas mal de flics, là. Ah ouais, là, j'aime bien. Là, j'aime énormément. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir, mais je te jure, ils vont tous dégager les Transformers. Ah non, maintenant c'est... Ah, ça va ouvrir le portail de l'enfer. Non, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Bon, après tout ça, on l'a déjà fait. Du coup, je sais pas si c'est très intéressant. Mais par contre, ça là, j'aime beaucoup. Oh, il y a la tornade, les Khay. Oh mon Dieu, mais en fait, c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe. Et les... Wow, regarde, on peut tout détruire. Wow. Mais est-ce qu'il y avait ça dans la dernière vidéo, les gars? Je me rappelle pas de ça. Mais regarde ce qu'il y a ici. Non, ça, c'est bizarre, par contre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? Vas-y, je suis avec toi, ma gueule. C'est bizarre, un peu. Alors déjà, toi, tu vas mourir. T'es un peu chelou. Tu me parles chelou, un peu, toi. Tu veux manger, déjà, d'entrée de jeu. Comment on fait pour éclater le koala? Le koala holographique. Enfin, holographique, hologramme, je crois. Bref. Comme ça, il est mort. Voilà. Je crois que c'est bon, les règles. C'est réglé. Il se cachait dans un hologramme, mais il était quand même là. Ah, maintenant j'ai l'hologramme. Mini koala du futur. Maintenant j'en ai deux qui font des lasers. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a mieux que un koala, deux koalas? Mais c'est quoi ce truc? Il y avait pas ça avant. Bonjour monsieur le singe ou je sais pas quoi. Je peux tirer dessus, ma gueule? Mais le pauvre, il fait trop de la peine. On dirait qu'il a vraiment souffert. Il a fait. Ah. Oh, il y avait une affiche de chat. C'est quoi ça? Quel est ce bordel? Ce petit immeuble là. Il a été épargné, miskin, ça aussi. Et il va rester tout celui là-bas. Voilà, c'est fini. Normalement, je mérite un succès pour le travail que j'ai fait. Vraiment. Il va rester juste la poupée rhinocérus, là, que je n'ai pas déballée, ou je sais pas comment dire. Voilà. Super. Allez. Et normalement, ça va te lâcher un sabre laser. Mais vu qu'honnêtement, on a tellement de trucs déjà. Voilà, on a le sabre laser. Mais c'est toujours un détail. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment cool de ouf. Bon, bah, let's go se battre contre soi-même, les frères. Ok, donc ça, en vérité... On peut abréger parce que voilà, vous connaissez déjà les Khay. Enfin, vous avez déjà vu ma dernière vidéo, il me semble. J'ai un bon cul en fait, vous avez pas remarqué. Du coup, voilà, c'est le futur nous, voilà, tout simplement. Alors, le Khay, tu t'attendais pas à ça, hein? Tu t'attendais pas à ce que j'ai des potes, tu vas moins faire le malin. J'ai cliqué une milliseconde, les Khay, c'était déjà cuit. Nom de Dieu. Malédiction du cerf. D'accord. Il veut pas die en fait. Vous êtes tous les deux finis! Putain, mais même en faisant ça, ils nous évitent, c'est pas possible. Comment on fait pour les avoir? Ah, je crois qu'il faut l'avoir avec un sabre, absolument. Il me semble. Quoique. Oh bah non, fallait juste les contourner, c'est tout. Quel bordel. C'est bon. Il repart en enfer. Et c'est parti pour le combat des titans ou de je sais pas quoi. Donc lui là, il va devenir géant. Et nous-mêmes, on va devenir. Enfin, c'est pas nous, on va devenir géant. Mais c'est un poteau qui va venir. Un petit poteau d'Ogo. Franchement, j'aime énormément le jeu. J'aurais trop aimé que ça soit développé davantage. Ça veut dire qu'il y ait une suite. Ou bien qu'il y ait une autre ville ou que je sais pas. Que ça soit plus développé. C'est vraiment God Simulator. Mais dire Simulator est en presque mieux en vrai, tu vois. Même si God Simulator, c'était la base de base. Mais ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Voilà, Khay. Et nous, il va nous enclencher là. Voilà, il va nous... Super. T'es bientôt mort, Khay. Voilà, c'est bon. Ok. It's finished. J'adore. T'as pas intérêt à me dire, croyez, attention, c'est en construction, je sais pas quoi. Parce que dernière news ici,
On allait buter le nous-mêmes. Et voilà, il y a un mec qui est apparu. Je vais péter un câble s'il y a un mec qui apparaît. Il y a vraiment une suite. Tirer ou ne pas tirer? Oh. Bah, je tire. C'est tout. Du coup, tu te butes dans l'avenir, mais est-ce que... Quel est ce bordel? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi ça, ma gueule? C'est pas un cercueil? Ah, un cercueil. Oh, mon Dieu. Aïe, aïe. Ah, Zama, il l'a déjà fait auparavant. C'est le je sais pas combientième. Ou bien, c'est que lui-même, il a été buté par d'autres cerfs. Je sais pas. Ou bien ça, c'est le nombre de cerfs. Mais il le caresse, là, ou quoi? Ah, ok. Oh, mon Dieu. Et du coup, c'est toi, tu vas le mettre ou pas? Voilà, et un autre, il va te buter. Il va te mettre Al-Khoya. À moins que tu sois vraiment different. Tu es différent, tu es intelligent. Bah franchement, une fin pleine d'émotions, ma foi. Est-ce qu'il y a une autre fin à tout ça? Merci d'avoir joué. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc genre comme si quelqu'un était mort? Tu sais, ça fait genre... Attends, donc là, j'ai tout débloqué? Tout de chez tout débloqué? Non, il reste encore un truc. Visionner la vraie fin. Ah, mais comment ça, la vraie fin? Donc la vraie fin, c'est quand tu tires pas. Donc quand tu tires, c'est Starfall là, c'est que t'es méchant. Oh! D'accord. Je vais de ce pas dans le futur pour m'épargner moi-même. Enfin, se battre contre moi-même, puis après m'épargner moi-même. Ok. Donc là, on va pouvoir voir apparemment la vraie fin. Ne pas tirer. Que va-t-il se passer si on ne tire pas? Il y a des fuck des shit, man. Tu aides le futur toi. Tu aides littéralement ton prochain. Tu aides le prochain toi. Cette poignée de businessman! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Est-ce que c'est une machine à voyager dans le temps? De quoi? Ça va sous terre carrément? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont dans le cerf en fait, je crois, dans le cerf géant. Ou je sais pas, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. D'accord, ça aspire cette réalité. Et ensuite? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Et il a mangé l'univers. Et après, on ne fait plus qu'un. Quoi? Ça fait un cerf géant. Me dis pas qu'il y a du gameplay encore. Quoi? Oh non, quoi? Waouh, le plot twist, les reilles! Aïe, aïe, je me doutais bien que... Alors, depuis que j'étais petit, je me disais, c'est bizarre. La terre, elle est plate, les reilles. Donc là, est-ce qu'il va aller déglinguer d'autres contrées, d'autres planètes? Là, il vient pour nous. Ça, c'est le mec. Ah, c'est le mec, parce qu'en fait... J'avais lancé le jeu pour vérifier si tout se passait bien sûr, comme je fais d'habitude. Et du coup, j'ai customisé un mec. Et ce mec-là, il empêche notre cerf de mourir, mais il se fait écraser par une voiture. Du coup, il meurt dès le départ. Je me suis dit que c'était pas important de vous le dire. Mais là, du coup, c'est nous-mêmes. On se bat contre nous-mêmes. Mais what? Ils ont tous ma tête avec des AirPods. Ah! Oh, c'est quoi ça? On utilise la force du soleil ou quoi? En fait, littéralement... C'est le skin que j'ai customisé au départ. Et au final, ça fait des bails de flics, ça fait des bails de bref. Oh mon Dieu, quoi? Ça devient quoi là? Oh non, Starfall là. C'est un cauchemar. En fait, là, on est en train de se prendre un karma, les reilles, c'est pas possible. Mais tu sais que sans les cheats, c'est trop difficile de survivre à ça. Est-ce que tu réalises un peu la difficulté du bail? Ok, les reilles. Donc, tu pensais pouvoir me faire peur. Tu pensais pouvoir me faire peur. Oh, c'est le singe qu'on a éclaté tout à l'heure. Wow. Oh, il est géant, lui, c'est pas possible. Tu m'as brusqué, le Rey, tu m'as fait peur. Oh, Théma, comment je suis entouré. Mais comment tu veux survivre à ça? Avec des cheats, le Rey. Mais regarde, en plus, j'arrive même pas à l'avoir. Quoique, ça lui enlève de la vie, en vrai. Mais légèrement. Où est-ce qu'il faut viser? La langue, la bouche, je sais pas, les AirPods. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui arrive à battre tout ça sans les cheats, le Rey? Non, mais vraiment, dites-moi.
Voilà, j'étais sûr. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Non. Oh, ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait détruire toute la planète. Nom de Dieu. Aïe, 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 aïe. What's next now? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, ils sont partis vraiment loin dans le délire. Regarde tout ce qu'il y a autour, tout ce que j'ai laissé. Il y a des sushis explosifs, des grenades, des je sais pas quoi. Du coup, c'est toi le boss, Roya. Voilà. C'est ça qu'on aime. Ça aurait été bien juste pas le sushi dans, genre, sur le chemin, quoi. Nom de Dieu. Oh non, oh non, oh non. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il rentre en lui, en nous? C'est très perturbant comme fin, je vais pas te mentir. En fait, il a fait comme une sortie de scène, mais il est rentré dans la bouche. C'est trop bizarre. Ah, du coup, c'est ça le truc de tout à l'heure. Donc, c'est le mec qui s'est fait écraser au départ. Que j'ai pas pu vous montrer, malheureusement. Et du coup, il revit. Ah, il était mort. C'est ça, en fait. Ah, donc en fait, Miskin, je crois, il était dans le coma. Et du coup, tout ça, c'était dans sa tête. Tout ça, c'était une imagination. Ok, Roya, alors, est-ce que t'as une tête de cerf ou t'as ta tête à toi? C'est ça la question. Ah, bah voilà, Roya. On se disait bien. C'était bizarre, cette histoire. Nom de Dieu. Je sais plus quoi dire face à ce jeu. Face à autant de détermination à faire n'importe quoi. Mais j'adore. J'adore, j'ai envie de dire continuer. Please continue making games like this, please. Si jamais ça peut arriver aux développeurs, voilà, ça me fait plaisir. I love your game, guys. This is the shit. Ça déchire. Ah, c'était écrit mon chat. Le chat, en fait, c'était le chat d'un développeur. Merci d'avoir joué. Oh, c'est trop mignon. Il ramène un bouquet de fleurs maintenant. Ah, du coup, là, on peut faire directement boss de fin. D'accord. Et on peut le customiser, tu vois. Donc là, ou bien passer au combat, ou bien... Voilà, donc c'est ça, la scène. Bah, ça fait plaisir que je puisse vous la montrer, la vérité. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça que vous avez raté. Tu passes comme ça. T'as sauvé une petite biche. Voilà. Et au final... Putain, mais en vrai... En vrai, je suis presque sûr, ils se sont dit, eh vas-y, il faut qu'on justifie ça d'une manière qui soit raisonnable. Donc, on va dire tout ça, c'était l'imagination d'un mec. Ils n'ont pas assumé leur what the fuck-étude, si tu vois ce que je veux dire. Être ressuscité, vas-y, il se passe quoi si je dis non? Bah, tu es mort, en fait, ça s'arrête là. Ou bien... Ah, d'accord, parce qu'avant, j'avais dit oui. Et du coup, bah, ça m'emmène dans le jeu. Et je comprenais pas pourquoi, je me dis, mais attends, est-ce que je suis la biche du coup qui a été sauvée? Et c'est la suite, mais ouais, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a obtenu en ayant fait du bon boulot? Alors, on a obtenu nous. Donc, recevoir des dégâts entraîne la mort immédiate. Quoi? Oh, d'oublie-le, mais non, c'est quoi ça, frérot? Mais c'est l'exorciste, ça. Une girafe! Oh, lo. Est-ce qu'elle peut... Oh merde, elle peut pas se balader. D'accord. Je pensais qu'elle pouvait faire le truc avec le cou. D'accord. Bah écoutez... Et ça, en fait, on est vraiment un être humain. On a vraiment... Mais c'est quoi ça, wesh? Je peux chevaucher un dragon? Mais depuis quand? Je te jure, il était pas là avant! Ok, du coup, ça, est-ce que ça fait du feu? Regarde comment il est majestueux. Regarde comment il est majestueux. Mais c'est le meilleur truc qu'on peut débloquer dans le jeu, les Rey. C'est incroyable. J'adore! Je te jure, j'adore! Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on peut aller dans le turfu avec, mais je crois qu'ils ont mis ça dans le turfu, j'espère. Toi, je t'éclate, Roya, je t'éclate directement. Est-ce qu'on est fort? Est-ce qu'on est fort ou pas? On est tellement fort! Sans cheat, c'est juste le dragon! La force du dragon, les Rey. Donc là, j'ai envie de remettre les flics et tout ça et faire n'importe quoi. Hein. Donc là, les Rey, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Je pense qu'on va bien s'amuser là. J'ai mis tellement d'ennemis, frérot! Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Non, mais. En fait, c'est des dauphins. Avec des lances-flammes. On a vaincu les dauphins. Maintenant, on doit vaincre la tornade, les Rey. Est-ce que c'est une référence
un jeu qui s'appelle Sharknado. C'est un jeu d'ailleurs ou c'est un film? Voilà, je sais même pas. En gros, un jeu de mots entre requin et tornade. Sharknado, c'est une série de films. Effectivement, c'est possible que ce soit une référence, mais bon. Regarde un peu le nombre de flics! C'est pas possible! Tu peux pas survivre à ça. Oh, regarde, je peux même pas voler. Wallah, je peux même pas. Ah, c'est bon. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ils viennent d'où? T'as, regarde le nombre de lasers. Ah, c'est pas possible. Vous êtes si adorables! Mais vous allez tous mourir. Non, mais c'est abusé. Ok, les reines. Est-ce que vous êtes prêts? Mais c'est un massacre! Littéralement, c'est un massacre! Ça fait presque mal au cœur, mais c'est vraiment satisfaisant. C'est bon? Oh, ils ont tous disparu. Oh mon dieu. Ça aurait été quand même bien qu'il reste, je vais pas te mentir. On a vaincu la police! C'est un peu bizarre. Oh, le dragon, ils l'ont bien mis ici, les reis! Dans tous les cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé parce que moi, j'ai grave kiffé. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils rajoutent autant de contenu. Du coup, sincèrement, j'aimerais tellement qu'il y ait du nouveau dans ce genre-là, dans ce type de jeu, vraiment. Enfin, ou même ce jeu-là, je veux qu'il fasse une suite, mais vraiment, ça serait incroyable. Là, je pense pas qu'ils vont rajouter d'autres DLC ou quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas mal poussé le délire, la vérité. Je sais pas s'ils pourront faire mieux. S'ils font mieux, je suis preneur, dans tous les cas. Si vous avez des jeux dans ce genre, n'hésitez surtout pas à m'en parler dans les commentaires. Prenez soin de votre vidéo. Peace!